Bonsoir, vous êtes bien sur Bonsoir. Krasinarvido TV, vous l'avez reconnu grâce au public chaleureux qui nous accompagne. Et nous, bon, la troisième semaine, nous avons été invités pour participer à cette émission Spam Attitude. Hein? Gérard, ben, à la limite, je ne vous présente plus puisque vous connaissez tellement bien. Et moi, c'est Jean-Mi. Salut Gérard. Salut Jean-Mi. Ouais. Et donc. Gérard, ce soir, il est vachement content parce que, bon, vous en souvenez peut-être, il a fait la connaissance d'une charmante jeune femme blonde. Samantha Azenfratz. Azenfratz. Et tout ce qui. Enfin, un truc qu'il ne pouvait pas rêver plus dans son existence, quoi, un super canon et tout. Ouais. Et une ordi blonde, nice looking. Ouais, 25 years. 25 years, student, enfin bref, le truc que. Voilà. On n'imagine pas que c'est possible quoi, et que finalement ça l'est, quoi, parce que grâce à Internet, c'est possible. Et donc, alors bon, juste, peut-être tu nous dis comment ça s'est passé pendant une semaine, quoi. Bah, cette semaine, c'est bien passé, on a sympathisé, on a beaucoup, beaucoup communiqué. On a quand même pas mal communiqué. Et il s'avère que... au fur et à mesure que nous communiquions, moi je me suis aperçu que finalement les publicités qu'on reçoit sur Internet, Viagra, compagnie, ceux qui viennent pour forer leur gym penny, finalement ces publicités elles servent à rien. Oui, c'est ça. Bah, ça. C'est ça. Parce que. Bon, parce que c'est en fait le Viagra et le Cialis et compagnie, c'est quand même pour des petites motivations. C'est la motivation. Et donc c'est vrai qu'avec Samantha, je dois dire qu'il fallait une très grosse motivation. Ah oui, il faut une énorme motivation. Donc effectivement, je vais pousser un cri ce soir. Ouais, à deux heures, voilà, pousse un deuxième cri. Voilà, c'est ça. Merci. Ouais, je t'en prie. Merci de préciser. Et vraiment, les gars, faites attention, c'est de la merde qu'on vous vend sur Internet. Si on vous vend du Viagra, du Cialis, l'autre, c'est pas le troisième. Lévitra. Et le Lévitra, ça, refusé. Je les ai essayés l'un après l'autre, je les ai essayés ensemble, je les ai essayés à couper. Fait des cocktails. Et effectivement, quand il faut beaucoup de motivation, ça marche pas. Ah non. Et alors, donc, il y a un truc qui est super sympa, parce que bon, on n'est pas là pour désespérer le monde entier. Exactement. Hein, c'est ça, tout. Et nous, on est là quand même parce qu'on donne une grande leçon d'optimisme à tout le monde. Pour donner de l'espoir. Ah, mais c'est ça, l'espoir. Pas seulement d'espoir, mais bon, on voudrait que tout le monde soit heureux, quoi. Comme toi, tu l'es maintenant. Ah, moi, je... C'est ça, il est. Ça, c'est clair. Et toi, tu réalises tout. Ah, je réalise tout ce que je veux maintenant. Ah ouais, mais c'est ça, pas une minute à perdre. Ah non, moi je perds pas de temps. Ah non, on dit droit au but. Droit au but. Et donc, nous on présente le super produit que Gérard il a essayé. Et que moi j'essaierai peut-être une autre fois. Mais en tous les cas, Gérard, c'est tout simplement le Viagra naturel. Alors, tu peux dire quelque chose sur le Viagra Natural, puisque c'était quand même toi le testeur en chef de la maison, là. Le Viagra Natural, c'est un Viagra, comme son nom l'indique, mais natural, ce qui veut dire qu'en fait, c'est un Viagra surpuissant. Oui, surpuissant. Voilà, surpuissant, et qui nous amène la motivation adéquate. C'est adéquate. Oui, c'est ça, adéquate. Je me permets de faire une référence à l'actualité récente, ça tsunamise. Et donc, effectivement, Viagra Natural est un produit qui, finalement, m'a apporté la sérénité. Plus que la sérénité. La sérénité m'a apporté tout court la motivation. La motivation. Donc, vous pouvez le trouver sur notre site. Voilà, alors, il est pas cher. gérard.jeanmi@yahoo.com.fr. Et un prix défiant toute concurrence. Pour vous montrer qu'on vous raconte pas que des conneries ici, Gérard, il va l'essayer devant vous et il va vous montrer que ça a quand même des effets. Secondaire, Quand même pas secondaire,
tu disais surprenant. Surprenant. Ouais, c'est l'effet secondaire surprenant. Ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on s'est écrit d'ailleurs dessous, attention, effet secondaire surprenant. Ouais, c'est ça. Et ça adapta à Zenfrast, évidemment, c'est montré hyper surprise. Voilà. Hein, c'est ça. Voilà. Mais pour en témoigner d'ailleurs. Ouais, hein, pour en témoigner. Peut-être, alors vous faites c'est peut-être un appel pour une deuxième émission. Et donc, il va essayer tout de suite, là, comme ça, on ne perd pas de temps. Et on va vous montrer l'effet que ça fait. Alors, ça, c'est un truc extraordinaire. C'est un effet très, très... quasiment immédiat. Il n'y a pas de temps de latence. Rien. Voilà. Très vite. Oui, ça monte très vite. Alors, attention. 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y. Hop. Ouais, super, voilà, c'est parti. Attention, il y a... Hop, c'est parti. Ouais, okay. Eh ben, voilà. Eh ben, voilà. Eh ben, c'est tout simple, hein, voilà. Gérard, tu vois, cet effet est quand même un super effet, quoi. Hein. Ouais, très grand effet. Ouais. Après avoir pris le Viagra naturel. Ouais. Vous voyez, j'ai pris le volume, j'ai pris de la force, la dynamisme. Ça se voit. Cette puissance, là, j'ai arrêté ça après avoir... C'est indéniable. J'ai senti directement le changement. Le changement, il est net. Hein. Net. Ah, okay, très net. Ouais. Et des surprises, ça l'a là. Oh, ben, elle a apprécié. Elle a apprécié quand elle arrête de mentir. Gérard, toi, on peut dire. Franchement, quand même, t'es gâté sur ce coup-là, quoi. Ah oui, je crois que le Viagra, tu vois, c'est vraiment la potion magique. Ouais, on rappelle que c'est en vente sur notre site Gérard et Jean-Vi, yahoo.fr. J'ai commandé cette quantité-là, bon, je crois. Il faut pas en prendre beaucoup. Il faut pas prendre beaucoup. Non. Puis que là, ça suffit, quoi. Une lichette. C'est ça le mot. Ouais, et là, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour la dose. Ouais. Et ça suffit pour ça. Qu'est-ce que je veux dire, moi, je suis témoin parce que je suis juste à côté de toi. Hein. C'est quand même tout est très spectaculaire. C'est très simple. C'est quand même quelque chose. Hein. Oui, c'est quelque chose. Non, j'ai témoigné, je l'avoue, ceux qui peuvent l'essayer. Oui, c'est ça. Bon, bah, on dit au revoir à tout le monde, hein, parce que moi, il faut que je l'essaye aussi, vous comprenez. Avant de dire au revoir, je dis ceux qui ont besoin de l'énergie, du pain, c'est quelque chose. Et j'espère que la prochaine fois... Eh bien, la prochaine fois, ce sera pour tout le monde, quoi. Ouais, voilà, c'est pour ça. Tout le monde. Bon, allez, merci à Krasine Arnino TV de nous avoir invités, et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut, Gérard. Salut.